Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Saitama et nous essayer de voir les informations qu'on a eues sur Saitama. Je vous assure, il y a de très, 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 très bonnes informations. Voilà, vous avez pu remarquer que les choses commencent à, je dirais, sentir bon. Voilà, donc voilà. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ça continue comme ça, que ça aille de l'avant. Voilà. Donc, avant de commencer, hein, voilà, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est maintenant, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi la famille Saitama et tous ceux qui aiment les cryptos. Le petit like, 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 like. Voilà, n'oubliez pas, like, 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 like. Je ne cesserai de vous le dire parce que j'aime, moi, j'aime les likes. Quand je vois les likes, ça me va droit au cœur. J'aime ça. Voilà. Donc, c'est de grâce, des petits likes. Maintenant, nous allons aller du côté de Twitter. Twitter, comme je le dis, hein, moi, c'est mon village. Hein. Quand je me lève le matin, direct Twitter, essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, essayer de prendre toutes les petites informations de gauche à droite. Par rapport à toutes les crypto-monnaies que j'ai investies, et même si les crypto-monnaies que je n'investis pas. Hein, voilà. Donc, c'est très, très important pour moi, hein, Twitter. Donc, on va essayer d'aller directement là-bas, essayer de voir les informations. Voilà, nous y sommes. Ici, je crois que nous sommes voilà, sur le Twitter officiel de Saita Guru russe. Oui, c'est russe, on l'appelle Saita Guru. Voilà. Donc, il fait partie des membres de Saitama. Donc, il a tweeté ce matin, voilà, un communiqué, comme quoi que, voilà, ces jetons ont été listés. Now listed on Saitama, maintenant listé sur Saitama, Impact XP, Kishimoto, Mandox, Raj, Shiryu Inu, Shunav V2, voilà. Shaman King Inu will list later today. Shaman King Inu sera listé après, aujourd'hui, il sera listé aujourd'hui. Maintenant, ici, Lily Finance postponed to Friday, février 4. Voilà. Donc, Lily Finance devait être laissée aujourd'hui, mercredi. Mais je pense qu'ils ont repoussé ça jusqu'au vendredi. Voilà, jusqu'au vendredi pour des choses techniques à remettre en place vite fait. Parce qu'ils veulent aussi hein, que ça soit listé sans problème sur la plateforme, que les gens puissent effectuer des échanges. Voilà. Donc, actuellement, il y a 6 cryptos qui sont listés sur la plateforme de Saitamax, qui est une bonne nouvelle. Parce que, imaginez, quand ces 6 cryptos sont listés, ça veut dire qu'ils vont éjecter de la liquidité pool. Ils vont éjecter dans la liquidité pool. Ce que aussi, on dit aussi, oui, je crois, les informations ici, hein, j'ai lu ça, que, voilà, ici. Ils disent que tous ces tokens qui sont sur Saitama doivent acheter du Saitama. Tu dois avoir des Saitama pour pouvoir acheter tous ces tokens-là. Sur Saitamax. Voilà. C'est-à-dire, pour acheter par exemple Impact XP, tu prends du Saitama, tu vas acheter des Impact XP. Pour acheter du Kishimoto, tu prends des Saitama. Par exemple, tu as 1 milliard de Saitama, tu prends ça pour acheter 1 milliard ou bien 500 millions de Kishimoto. À vous de voir. Voilà. Il faut impérativement avoir du Saitama. Et quand c'est comme ça, vous devez savoir que vraiment, ça, il y aura des brûlures, il y a une hyperburn, c'est très, très, très important. Vous savez, une crypto-monnaie, bon, pour faire du fois 10, du fois 100, même du fois 1000, franchement, s'il n'y a pas de système de brûlure automatique, manuelle, de grosses, grosses brûlures derrière, ça serait très, très difficile pour une crypto-monnaie d'atteindre ces performances-là. Voilà, parce que le fois 100, le fois 1000, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Prenez une crypto-monnaie qui a 1 million de dollars de market cap pour qu'il fasse x 10. Il faut qu'il ait 10 millions de market cap. Pour qu'il fasse du x 100, il faut qu'il ait 100 millions de market cap. Donc, ce n'est pas facile, quoi. Ce n'est pas facile, franchement. Parce que, puis c'est, comme vous voyez, les crypto-monnaies, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois, il y a des informations qui font pomper, des fois, des informations font chuter. Donc, ce n'est pas facile pour une crypto-monnaie de monter directement. Directement, sans s'arrêter. Non, non, ça, c'est impossible. De voir ça sur une crypto-monnaie. Donc, il faut avoir un système de brûlage. Et ça, c'est très, très important. C'est pour ça qu'il faut rechercher des crypto-monnaies qui brûlent beaucoup, qui ont un système de brûlage énorme et puis qui ont de bons projets derrière.
C'est très important, ça va te permettre. Là, tu pourras te dire que peut-être d'ici quelques années, d'ici une année, 2 ans, cette crypto-monnaie, avec seulement le système de brûlage seulement, elle peut avoir 2 euros ou 1 euro. Donc, c'est très important à tenir en compte. Voilà. Ici, nous allons essayer de retoucher, de traduire ce titre ici pour voir aussi. Ainsi que pour les mises à jour iOS, nous avons fait une demande d'urgence hier. Nous sommes à leur merci. Mais nous espérons que la mise à jour arrivera le matin. Cela devrait dissiper les quelques dernières personnes qui se sont écrasées sur la page de démarrage. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes au démarrage, juste qui ont installé l'application, mais juste au démarrage, ils sont bloqués au fait. Voilà. Donc, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour qu'ils ont mis en place, qu'ils ont demandé à mettre en place de la part aux membres techniques de Apple, voilà, pour qu'ils mettent la mise à jour, voilà, pour permettre à certains de passer cette étape-là, quoi. Voilà, donc il y a une mise à jour qui va être faite aussi, ce qui est très, très positif. Voilà, on va voir aussi, je pense que c'est tout, hein. Voilà, j'avais fait un petit retweet ici aussi pour voir, hein. Je vais essayer de voir, voilà. Une petite retweet ici. Attends, vision ici, je vais ajouter. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je vois seulement quelque chose qui est intéressant, je suis directement, quoi. Voilà, vous voyez ici cette vidéo. Ici, cette personne qui voit qu'elle est sur Certamax. Et ses jetons qui viennent d'être listés sur Certamax, voilà, il est fait défiler ici. Donc, c'est très, très intéressant. C'est très important de voir ça. Ça encourage. Voilà, ça encourage. Donc, les investisseurs commencent à avoir, prendre confiance, quoi. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà, je pense que c'est tout. On va essayer de voir ça aussi. Donc, ça, c'est un amas que, il y a un gars qui demandait un amas avec cet amas, je crois. Il avait dit le vendredi, ils vont faire un amas. Voilà. Donc, c'est très important. Hein? C'est très important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà. Il faut s'attendre à une grosse brûlure. Et puis, le plus important aussi, ce que j'oubliais de dire, voilà, c'est qu'avec certainement, ce que vous devez savoir, certainement, a réussi à arriver jusqu'ici sans qu'il y ait de grosses listings sur des grosses plateformes. Ce que vous devez savoir, certainement, n'est pas encore sur Binance. Certainement, n'est pas encore sur Coinbase. Certainement, n'est pas encore sur KuCoin. Certainement, n'est pas encore sur crypto.com. Ces quatre catalyseurs seulement, si certainement rentre sur ces quatre-là seulement, certainement va exploser, exploser. Donc, et puis, ce qu'il faut tenir aussi en compte, c'est que toutes ces grandes plateformes, tant que Certamax marche, fonctionne normalement à presque 100%, que tout est normal quoi, pour pouvoir laisser certainement. Même quand vous allez sur Google, vous tapez certainement, QCoin certainement, vous allez voir que. Ils avaient mis certainement, mais c'est en pending, c'est en attente. C'est-à-dire ils attendent que certainement soit prêt et que les gens puissent échanger, et automatiquement ils vont passer au listing. Donc c'est très important de savoir cela. Certainement n'a pas encore été listé sur aucune des grandes plateformes. Donc avec le certainement, avec le listing qu'il y aura, si tout marche avec ces grandes plateformes-là, avec le hyper burn, à vous, je vous laisse imaginer la suite. À vous de voir jusqu'où certainement peut nous amener. Donc, je pense que il y a vraiment du loup derrière, du loup qui arrive. Donc, restez focus, restez zen, restez chic, restez cool sur certainement sur toutes les crypto-monnaies. Il faut être toujours positif, avoir un mindset de millionnaire dans les crypto-monnaies, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. D'aimer, like, j'aime les likes. Donc, aimez. Voilà. Ciao, ciao pour un prochain numéro. Ici, Léa, depuis le Sénégal. Je vous adore.